La piste d'atterrissage de l'aéroport international de Douala est définitivement livrée. La chaussée réhabilitée répond désormais aux normes internationales, selon l'expert français assistant au maître d'ouvrage. Elle est même supérieure aux standards et je dirais que je suis fier des résultats dans un contexte qui était très difficile avec la météo et les pluies qui arrivaient. Et je pense que là, on est face à un des plus belles réalisations en Afrique. Et je dis bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet et ceux qui ont pris des décisions de lancer cette opération sur l'aéroport de Douala. Telle est la fin de la première phase des travaux lancés depuis février 2016 qui visaient à la mise aux normes des chaussées aéronautiques. Alors le projet de la première phase était la mise aux normes des différentes chaussées aéronautiques pour augmenter la performance d'accueil de cette chaussée aéronautique. Et aujourd'hui que les travaux sont achevés, on peut dire que la capacité a augmenté et qu'aujourd'hui l'aéroport international de Douala peut accueillir un A380. Le coût global de ces travaux s'élève à 21 626 millions de francs CFA, financés à 61% par l'Agence française de développement et 39% par l'État du Cameroun. La deuxième composante du projet porte sur la rénovation et la reconfiguration du terminal passager. Pour le terminal passager, ce projet consistera à reconfigurer intégralement une partie de l'aérogare passager pour améliorer la qualité de service. Donc il faudra rendre certaines zones étanches. Les travaux de cette phase seront lancés dès le mois de juillet 2017 pour une durée de 3 ans. Il faut signaler que l'aéroport de Douala sera encore en chantier durant la période de la Coupe d'Afrique des Nations masculines.